Le monde de Tamitasi. Une femme admirable qui s'est construite tout en créant un monde. Un monde d'étoffes précieuses, de couleurs et de fils de soie enroulés et noués. Un monde où toujours, tiré à quatre épingles, il faut être simplement impeccable. Je me suis rendu compte qu'il y avait un créneau intéressant à faire, c'était le vêtement traditionnel, que j'ai toujours beaucoup, beaucoup admiré. Voilà le genre de vêtements que je faisais, moderne, voilà. Ça marchait très, très vite. Je commençais à aller en France pour voir les collections, mais je connaissais déjà Saint-Laurent, je le connaissais à Marrakech. Lui, il m'a beaucoup encouragée, il trouvait que ce que je faisais, c'était très bien et tout. Donc, comme ça, Ça a changé. Au lieu d'être un travail amateur, c'est devenu vraiment un métier. Ça, c'est le reportage qui est apparu dans le journal Elle. Et c'était un reportage de Serge Lutens, qui est un ami. Et je dois dire qu'il a vraiment pris des vêtements très beaux. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup le patrimoine. J'ai passé ma vie à collectionner des broderies. Toutes ces broderies marocaines, j'allais souvent chez les antiquaires et dans les médinas et à Rabat et partout. Et je trouvais des broderies merveilleuses. Rabat, il a une tradition andalouse. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau à Rabat, c'est les rideaux. Regardez la magnifique broderie qu'il y a. C'est tellement régulier, on ne dirait pas que c'est brodé. Tout ça, c'est fait à la main aussi. C'est somptueux, c'est très bigarré. Et maintenant, je vais attaquer les plus belles des broderies du Maroc. Tétouan. Tétouan, c'est la seule ville du Maroc qui brode avec un support de soie. Et c'est un rideau de miroir.